Bon, nous voilà de retour. Alors là, on était parti pour rendre des comptes, entre guillemets, pour faire le débrief de ce qui vient de se passer, là, avec ces indomptés. On va voir si ça va leur convenir. Mais je me demande vraiment ce qui se passe quand tu les insultes. Et on n'est pas un hooligan, hein, encore une fois. Ah, faut prendre l'ascenseur, bizarrement. Ah! Oh là! Ok, d'accord, ça se... On y va tout de suite. Imbécile ne peut pas faire ce genre de jeu de mots, ni parler... Vous n'auriez jamais dû faire ça. Vous auriez mieux fait de les insulter. Vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Peut-être. Xénophobe. Ils sont en train de débattre de l'imbécilité. Ils ne parviennent pas à décider qui est le plus stupide. Pétrif. Ils ne savent pas. Vraiment. Pourquoi choisir? Les deux le sont. Oula, il est en mode armure de combat. Guillaume le Conquérant. Très impressionnant. Oui, ça, je n'aurais pas dit mieux. Admirez mon armée formidable. Ok. Suffisamment distraite, en attaquant mes droïdes feront exploser. T'as vu, on détourne l'attention des gens pour notre victoire sur Corellia. Que ferez-vous enfin? Je suis prête. Partons immédiatement. Allons-y, mettons-nous en route. Flotte éliminée, j'aimerais que vous vous regroupiez, Pétref. Le régnera sans partage, les hommes. Hommes de paille de l'Empire. Comptez sur moi, on est où là? Qu'arrivera-t-il au trône? Ce n'est pas notre mission. Ah bon? Ce n'est pas notre mission. Je ferai ce que je peux pour aider Pétrif. Pétrif? Sa bêtise profitera à l'Empire pour les décennies à venir. Il est facilement malléable. Allons-y. C'est bizarre là, j'ai pas tout compris. Mais on n'a pas encore vu Zakeg, je suppose. Oula, une tête de dragon. C'est un dragon crate. J'ai pas compris, tu sais quoi? Entrée dans Isis depuis le sud. C'est quoi ce bruit? Ça explose là. Il y a eu des explosions, j'ai pas tout compris. Allez, c'est parti! C'est loin? Ah ouais, effectivement, on n'y est pas là! On est à fond à gauche. Ouais, ben c'est là le plus court, bizarrement. Il n'y a pas plus proche que ça. Mais on y avait déjà été, bordel de merde. Non? Je sais plus. C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de point de TP plus proche que ça, hein, plus vers la droite. Mais là, c'est une cantina, non? On est en intérieur. Ça va me casser les couilles. Ah non, c'est bon. On y va! Voilà, c'est pas trop dégueulasse. Ça devra aller. Ouais, sinon, écoutez, le L4 commence à avoir fait le tour. Des sujets à aborder, tout ça. On va s'aborder le navire. Je vais suivre la route. Hein. C'était un peu plus long, mais bon. Je vais essayer de regarder, hein, voir si je reconnais des mobs, tout ça. Firion de FF2. C'est un peu bizarre. C'est fou ce que ça a changé en 100 ans, entre guillemets. Enfin, je sais plus combien il s'est écoulé entre le The Old Republic et... Ouais, faut suivre hein, par là. Et KOTOR 2, encore une fois, mais... Il me semble que c'est ça, hein. C'est 100 ans. Je sais plus. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel. C'est très coloré. Encore une fois, quand on était dans KOTOR 2 sur Onderon, il n'y avait que la ville, il n'y avait pas les extérieurs comme là. Hein. Ce qu'il y avait de forêt, de sauvage, c'était Xoud en fait. Hein. Exarchun! Ah, j'y vais. On est venu ici ou pas, bordel de merde? Phase personnelle? Genre, je peux pas y rentrer? Quartier assiégé?
What? C'est pété de partout, regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est enflammé. C'est la guerre ici. La guerre ouverte, c'est compris. Le guerrier indompté. Ah bon? Bah, il y en a plusieurs, t'as vu. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il a un espèce de laser, un espèce de lance-flamme. Il le dirige vers le sol, ça va péter. Faut aller ici, là. Trouver l'entrée de service. Les égouts. C'est le foutoir. À l'attaque! Massacrez-les tous! Oh putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Prends ça! T'es Olex des égouts. Prends ça! On va crever là, c'est quoi ces conneries? Des peluches. On chie avec leur poison là. J'active tous mes cooldowns. On est parti! Bizarrement, il a pas utilisé ce truc là. Prends ça! Des crânes! Orgie sanglante! Chacun son fétiche! Ok, d'accord, c'est par là qu'il faut aller. Mais attention à ces ennemis, ils sont bien chauds quand même. Prends ça! Alors, est-ce qu'il y en a encore plusieurs là? Ou il n'y a que lui? Tiens! Je vais vous écraser! Dépêche-toi, on va se faire ensevelir! Ça pète de partout là, on va se retrouver sous des éboulis! L'endroit est très vétuste, prends ça! Bien! Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Audacity, c'est, je prends des risques, ça va pas du tout! Tuez-les! Bon, ça, des gardes royaux, on avait tué plein hein, dans KOTOR 2. Prends ça. Comment ça se fait d'ailleurs? Pourquoi il y a des gardes royaux là? Ils sont pas avec nous? Comment ça, garde royale? Bah, c'est pas les hommes du roi là? On y va! Comment ça se fait qu'ils nous attaquent, ces trous du cul là? L'attaque d'Isis trouvait l'entrée de service. Parce qu'ils sont pas au courant qu'on travaille pour le roi. Échapper à l'embuscade. Prends ça! Je veux la puissance pour écraser mes ennemis! Tiens! Une embuscade! Des noix de muscade. Ouf! Bien joué. On a connu pire. Pour l'instant, rien d'insurmontable hein, dans cette... Même l'élite de tout à l'heure, là, j'aurais pu le... Hein, y a que dalle, là. J'aurais pu le tuer tout seul, hein. J'avais invoqué Jakarta, mais... La capsule. On doit tout détruire en deux points. Ne vous trompez pas. La capsule. Prends ça. J'ai tout pété! Je vais déblayer le terrain, moi, tu vas voir. Putain, c'est quoi ça encore? Un enfoiré, prends ça. Tiens! Je vais lui foutre la trouille. Vous vous défendez bien! Mais pas assez pour moi, prends ça. J'ai plus de cooldown, attention. Tiens, moi aussi je peux le faire, prends ça. C'est le moment d'y aller full power. Austin power. Ouf, bien joué. Pour l'instant, c'est pas dégueulasse. On y arrive plutôt pas mal, tu sais quoi. On a presque fini, je suppose. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est bien beau, on déronde tout ça, des affaires de roi, tout ce que tu veux, mais alors quoi, j'ai envie de dire, prends ça. Vaincre les gardes!
On sait pas qui est le boss final, l'ennemi principal de cette extension. Bon, ça, je vais t'apprendre. C'est un peu... bon, c'est un peu ridicule d'utiliser mes cooldowns pour ces ennemis de chiottes, mais bon, prends ça, c'est le prix. Ah, chiotte. Prends ça. Ok, d'accord. Ben, c'était même pas eux, les gardes. Alors là, il y en a un normal et un fort, comme ça. Ah, il y en a un autre normal. Ah, putain, ça va être chaud. Je vais attendre de récupérer mes cooldowns. Sinon, on va crever. Je vais essayer de focus ces trous du cul. Heureusement qu'on est rendu plus fort hein, par ce truc. On dirait pas. Hein. Ouais, c'est clair. On sait pas encore c'est quoi la menace, la vraie menace, tout ça. C'est peut-être sur Max. Ou je sais pas quoi, l'autre planète, encore une fois. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est un petit peu pourri. Hein. C'est comme... c'est des quêtes normales, hein, je veux dire, qu'on aurait très bien pu faire du niveau 60 à 65. Allez, dépêche-toi, Jackie ! Prends du temps, cette merde, là. C'est un petit peu étrange, hein. Les loyalistes ! Nous sommes les héritiers légitimes. Nous ne vous laisserons pas faire. C'est franchement, c'est spécial. Limite, ce qu'on faisait dans Jedi Under Siege, c'était plus intéressant que ça. C'est un peu chelou, quand même. Dès que j'ai récupéré ce truc, on y va. Allez, c'est parti. Prends ça ! Je vais vous crever ! Ah, s'il faut, on va même pas en avoir besoin, regarde. Ouais, c'est trop tard pour utiliser ce truc. Prends ça. Je les ai détruits, mais comme il faut. Merde. Tiens. Je vais te tuer, je vais te saigner. Je vais te saigner comme un porc. Prends ça. Et vraiment ça, même pas besoin d'utiliser mes cooldowns. Accéder aux défenses orbitales. Voilà, orbitales de FF8. Et ce truc là. L'ascenseur. Voilà, j'ai attendu de récupérer mes cooldowns. Il n'en aura pas eu besoin. On a assuré comme une bête. Allez, on y va. Oh putain. Je suis foutu là. Oh putain, merde, bien joué. Bande d'enfoirés, prends ça, saloperie. Allez, vite, vite, vite. Faut pas commencer par lui, un trou du cul. Depuis tout à l'heure, je fais que de la merde. Prends ça, saloperie. Vous essayez de vous enfuir, c'est ça? Ça ne marchera pas. Je ne vous laisserai pas faire. Tiens. Ah putain, ça n'a pas marché mon étouffement. Je croyais qu'il était en train de s'étrangler comme une mouche. Prends ça. Depuis tout à l'heure, là. Tiens. Oh non, il va pas de main morte. Je vais me soigner. Bah là par contre... Ah putain, pourri. Ridicule, ça servit à rien. Truc de merde, là. Là, c'est le contre... Vraiment, c'est le contraire absolu du précédent combat. J'ai utilisé deux cooldowns... pour rien, entre guillemets. C'est ridicule. Bon, là, je suis sûr qu'il va y avoir un boss de ouf derrière, hein, donc... malheureusement, je suis obligé d'attendre un petit peu. Au moins une minute, hein. Je vais prendre Jakarta. Alors, voyons voir. Ça, c'est énorme hein, qu'on puisse les choisir tous, qu'on soit pas limité à lui. Partenaire guerrier Sith. Il n'y a que elle ici, t'as vu. On a peut-être eu tort de pas faire ça, hein, franchement. C'est un petit peu dommage. Bon allez, maniez-vous là. 26 secondes encore. Bon allez, j'y vais. Oh non. Maître Denfa. Ouais, ben bonne chance, hein, ça a l'air costaud. T'as lui là qui est complètement pourri. Et t'as lui qui a... Ouah, 300 000 points de vie, je sais pas si on va y arriver. Je vais attendre de récupérer tous mes cooldowns. Si jamais on n'y arrive pas... donc encore... Ah, une minute, fais chier.
T'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres, là? Putain, 300 000 points de vie, quand même. Ça risque d'être un peu costaud pour nous. Et si on n'y arrive pas, je vais aggro avec ce si ça continue, là, ces conneries. Non, apparemment, il n'y a personne d'autre. Si jamais on se fait tuer, ben, j'appelle Jack Arrow, hein, malheureusement. Caroline Tresca! Oh putain, le AK, t'es pas en forme. J'ai besoin de faire des étirements. Voilà, Maître Kevar, il était un petit peu comme ça. Hein. Kevar, normalement. Il avait double sabre laser bleu, hein, un petit peu comme lui. Les Jedi. C'est pire que de la chienlit, cette Jedi. Ça se reproduit... Le nombre d'êtres sensibles à la force qu'il y a dans la galaxie, c'est hallucinant. Allez, plus que 4 secondes et on y va. Oh ça ! Je lui fous la trouille. Voilà, bien joué, splendide. Allez, on va le tuer. Pour un padawan, il est bien. Bien assez balèze, t'inquiète pas. Prenez ça, Jedi. J'ai tué votre padawan sous vos yeux. Et vous êtes le suivant sur la liste. Ah ouais, quand même ! On est balèze, hein. Oh ça ! Je vais vous étrangler comme une mouche. Je me suis libéré de votre emprise. Mais vous m'avez repoussé, bien joué. Ah ouais, quand même, putain, les dégâts, ça rigole pas, là. Je sais pas si on va y arriver, hein, tu sais quoi. Prends ça. Maître Tonfa ! Il est en mode furie, là, je sais pas ce qui lui arrive. Heureusement que j'ai ma régénération de ouf, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Tuez-les ! Je les ai assez vus. Allez, vite, je me prends ça, merci. Oh putain, bien joué! Wouah, c'était balèze! Je sais pas pourquoi il est passé en mode furie, là. J'ai pas compris. C'était chaud, hein. Je reviens pas qu'on ait réussi à tuer un élite avec 300 000 points de vie. On lui a fait des dégâts colossaux. Mais heureusement, on pouvait l'étrangler, le repousser, etc. C'est pas le cas de tous. Et quelque chose me dit que c'est pas le boss final, malheureusement, de cet endroit. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Aucun ordinateur ne me résiste. Tu vois, il n'y a pas de Jakarta, là, fait chier. J'ai les pointes sur les vaisseaux de la République. Je vais tous les détruire. On est dans le Nevada. On nous attaque! Le capitaine Péridote. Arrêtez de nous tirer dessus, bande d'idiots! On est venu là pour vous aider! Ah oui, quand même! Je le sais! Donc là, c'est pas mal comme plan, je suppose. Ça va détruire leurs relations diplomatiques, hein. Grâce à vous, les probabilités de victoire de la République sur Corellia sont amputées d'au moins 43%. Depuis quand vous êtes mathématicien? Pas eu autant de succès que la vôtre! Tous mes droïdes ont été détruits, il faut les sauver! Ah bah maintenant on va devoir sauver ce trou du cul. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça là? Qui c'est qui m'attaque? On nous attaque! Prends ça! Ils sont en train d'attaquer Jakarta. Prends ça! Pourquoi je dois aller sauver ces trous du cul maintenant là? Tiens! Oh non, je me suis pris un coup de sabre laser dans la gueule, ça fait mal. Putain, mais j'arrive pas à le target depuis tout à l'heure, prends ça. Ouah ! Merci de m'avoir fait espérer que j'aurais pu survivre. Ah, il faut aller ici, hein, malheureusement, je peux pas me TP. Allez, j'y vais. Trouver la salle du trône. Ah, putain, font chier. Prenez ça, bande d'enfoirés. Leur foutre la trouille. Attention, parce que là, ils sont bien chauds, quand même. Hein. On a déjà perdu plus de la moitié de nos points de vie. Je me mets en mode régène. Oh, putain, bien joué. T'as vu? Ça va beaucoup mieux. Hein. Voilà, je galère un petit peu, là. J'ai utilisé mes deux cooldowns, c'est un petit peu ignoble. Prends ça. Je vais vous taper dessus. Je vais chasser les mouches avec votre tête. Prends ça.
Voilà, c'est pas dégueulasse. Mais quelque chose me dit qu'il va y avoir un mob encore plus balèze que le Jedi de tout à l'heure, là. Le boss final de cet endroit, entre guillemets. Quoique là, on a déjà presque tout visité, hein, donc... Ah putain, fait chier avec leur porte. Je suis sûr qu'il y a un mob de ouf derrière, là. Bon, allez, je... Je l'ouvre tout de suite, sans attendre mes cooldowns. Mais c'est très risqué. Bah, fait chier, hein, un dialogue. C'est mauvais signe. Je suis sûr qu'il va y avoir des ennemis de ouf derrière. Prenez ça! Fausse... un Belluaire. Un maître des bêtes. Fausse impératrice! Vous n'êtes pas digne de régner. Vous êtes égoïste. Prenez ça! Bien joué! Ça va m'éviter de le tuer moi-même. Je vous ai écrasé. J'ai gagné. Il n'avait écrasé personne. Votre rébellion a assez duré. Je suis le roi légitime. Ma famille règne depuis des générations. Votre trahison est démasquée. Aidez Pétrif. Kill Pétrif. Kill Zembos. Mais pourquoi c'est en anglais, là? Et pourquoi on doit les tuer? Elle nous a dit de les aider! Donc, tuer les deux? Ah, mais pourquoi? Heureusement que c'est pas côté lumineux. Elle nous a dit de l'aider! Mais les choix de côté obscur, c'est autre chose, là. Pourquoi? Bon, vous avez de la chance! Dark Mécouille, vous allez signer notre perte à tous! Pourquoi les choix de côté obscur, c'était tuer Pétrif? Parce qu'on a besoin d'un roi malléable, hein, qu'on puisse manipuler. Hein. Vous ferez une bonne captive? Ce n'est pas votre problème, tuez Nébet! Une déesse égyptienne. Tu es là! Je l'ai assez vu. Monsieur, tu vois, c'est pas traduit là! C'est fini à la pisse! Mais genre, ils ont pas corrigé... Mais oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Genre, ils ont pas corrigé ça depuis... Depuis octobre? Là, on est en février, encore une fois. Mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul à chier! C'est pas traduit! Ce fut un honneur de servir votre majesté. Heureusement, on a l'audio. Vous serez toujours la bienvenue dans mon palais. Bien. J'ai tant de choses à faire. Mais c'est complètement con! Pourquoi ils ont pas traduit, là? Informer Dark Savik de notre grande victoire. Et voilà, Dark Savik, elle nous a dit de... Elle nous a dit de l'aider. Mais les choix de côté obscur, c'était... de les tuer ou les... Mais... C'est très bizarre. Hein. Mais heureusement, on en a eu un autre après, t'as vu? Un autre choix de côté obscur après avoir fait aider Pétrif. Normalement, c'est ce que m'avait dit Dark Savik. Hein. Il fallait aider le roi. Pour installer notre pouvoir, le manipuler dans l'ombre. Et effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que sinon, qui sait qu'elle allait être élue? Je vois pas du tout, hein. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, le nombre de ramifications, etc. Qui sait qu'elle allait devenir le nouveau roi? C'est Savik! Ça aurait été encore mieux s'il faut, tu sais quoi? Peut-être qu'on a eu tort, hein, de faire ça. J'ai eu tort de faire confiance à ce bougre d'imbécile. J'aurais dû faire confiance au... J'aurais dû... quoi? C'est quoi déjà? Faire appel aux forces spéciales d'attaque. Attendez, bizarrement, le volume de mon micro, là, il vient de chuter de façon significative, là. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà Malgus! Mission accomplie. Ça faisait un bail. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais vous auriez mieux fait de tuer Pétrif. Votre loyauté. J'ai l'impression que j'ai un bug de micro, là. Sévic est d'une rare idiotie, des louanges méritées. Sévic a fait un excellent travail. C'est, vaut mieux éviter de se mettre un membre du Conseil Noir sur le dos. Je suis honoré d'avoir travaillé avec vous. Et dès qu'on sera parti, elle va nous trash-talk. Moi, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, hein. Je suis la main de l'empereur. Pour Corellia. Ah bon?
Quant à vous, j'ai deux mots à vous dire. Une autre flotte des remports d'Arc Vauvraun, l'avait prédit. Voilà, Mekcha, c'est ça. Prochaine cible, assurez-vous, une nouvelle vie. Mais normalement, il n'y a que ces deux planètes. Hein. Mais pourquoi il n'y a pas eu Zakeg? Pourquoi on n'a pas affronté Zakeg? Et voilà Lana. Nous avons aussi notre nouveau membre dans l'équipe. Pourquoi y a pas, on n'a pas combattu Zakeg, bordel? Bienvenue à bord. Mais n'oubliez pas que les alliés d'aujourd'hui sont les morts de demain. Vous ne seriez pas les premiers, donc restez dans le rang, c'est compris. J'ai fait préparer une navette. Après vous. Allons-y. Mais c'est où Mekcha? C'est aussi sur Onderon? C'est une autre lune? C'est sur Xun ou c'est totalement ailleurs? Donc là, on vient de finir la première moitié, là, t'es en train de me dire. Dark Char sur Mekcha. Ça fait beaucoup de chats. Oh, une apparence classique de Jacaro. Comment ça, apparence classique? Voir, je le mets comme ça. Je fais I. ICF Atlantique. Partenaire. Regardez, je le mets ici. Hein? Ah bah si, ça a changé. Attendez, putain, mais qu'est-ce que... Mais! Regarde, t'as vu? Quand je le mets, ça change... Putain, mais... Ok, d'accord, il est tout blanc, là, t'as vu? Et là, quand je le retire... Ok, s'ils veulent. Bon, ben, je le garde. On verra ça plus tard. Encore une fois, c'est des objets uniques, hein, entre guillemets. Bon, ben, écoute, on y va, hein. S'ils veulent. Mais s'il faut, de ce que je vois, là, c'est une ville avec des néons, genre Coruscant, là, ça... Ça a rien à voir, c'est quoi ces conneries, là? S'il faut, ça a rien à voir avec Onderon, là. Mais on avait vu qu'il y avait que Onderon et Mekcha, hein, normalement. Donc s'il faut, on a fait la moitié. Hein. Non, mais si c'est le cas, c'est un petit peu pourri, cette extension. S'il y a que ça, tu te rends compte? Une extension 3 ans pour ça? Non, il y a un truc que j'ai dû zapper, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Hein. Mais pourquoi mon micro est faible, là? Non. Ou alors c'est que j'ai gueulé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y avait des pics plus grands que ça, là. On va tomber dans les pics! En mode Mortal Kombat. J'ai un peu de mal à comprendre, hein, je dois bien vous avouer. C'est un manque cruel d'ambition, hein, je veux dire. Oh putain, la moitié de la planète est détruite. On dirait Malachor 5. On va rentrer dans le noyau. C'est un manque cruel de portée, hein, je veux dire, quand tu compares à Eternal Throne et Fallen Empire. Déjà que Eternal Throne, c'est complètement à chier par rapport à Fallen Empire. Bonjour, je suis Dark Vauvraun, j'ai changé de sexe. Commandant, bienvenue à Mekcha, le carrefour. Mais hors la loi de la galaxie. Oui, comme Darshada, on est au compris. On est au courant. Je suis au service de votre ancien allié, Dark Vauvraun. Dark Vauvraun m'a été... Quel lien entretenez-vous avec Dark Vauvraun? C'est un honneur pour nous que de... Frère. Frère Tuck. Pour nous, ma mission, je hais l'esclavage. Ravi de vous rencontrer, messieurs. De travailler avec des soutes fidèles et respectueux. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre de nous. T'imagines tout ce qu'on a fait depuis le début du jeu? C'est un truc de fou, hein, quand même. Notre objectif ici est plus compliqué. On a été apprenti de Barras, on a été main de l'Empereur. Non, Fury. Main de l'Empereur, c'est peut-être les Inquisiteurs Sith, hein, plutôt. Il y a quelque chose. Ah, qui a osé faire ça? Prenez ça, je vous ai assez vu. Oula. Quelqu'un est en train de tuer tout le monde. C'est à votre tour, Fury. Attaquez l'assassin mystérieux. Oh putain, un élite. Prends ça. Ben, on va essayer de survivre du mieux qu'on peut. Hein. Je vous laisse quelques secondes. Pour que le combat soit équilibré.
Il a 313 000. Prends ça. Merde, j'ai plus mon... oui, je viens de l'utiliser. Prends ça. Je ne suis pas aussi facile à atteindre que Dark Char. Prends ça. Oh putain, bien joué. Comment je les marave de ouf, là, j'ai pas compris. Il s'en est pris plein la gueule et on est full PV. Oh merde, Jakarta, il attaquait? Non! Il nous a aidés! Espèce de trou du cul! Il nous a faussé ce combat, là! J'avais pas remarqué qu'il attaquait ce connard, là. Parce que c'est pas comme... à cause de ces cris de Wookiee, là... Oh bien, Major, comment on se retrouve? Je m'en vais, vous ne saurez jamais qui je suis. Ouais, bah c'est vrai, hein. C'est complètement con, ça. Bah, c'est pas comme Jessa qui dit « Il faut mettre du cœur au massacre !» Tu l'entends ? Ou les autres. Lui, on l'entend pas quand il parle, la bordel. Il ne faut pas intervenir comme ça, espèce d'idiote. C'est à cause de vous qu'il s'est enfui. Je n'en sais rien, mais merci. Merci pour le coup de main, Major. De rien. Je suis colonel, maintenant. J'ai monté en galon. Vous êtes pathétique, Dark Char. Vous êtes fait mettre au tapis en une seule poussée de force, c'est quoi ces conneries, là? Très sensible à la force. Dommage qu'il ne soit... Mais il avait un sabre laser rouge, donc c'est un Sith. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ou alors il essaye de se faire passer pour ça. Quelque chose de grave, j'ai rien fait, moi. Aucun Sith ne m'en veut ces temps-ci, peu importe son type de meurtre, j'en doute. Je ne me souviens pas avoir énervé un Sith dernièrement. Qu'il soit encore en... Ou alors c'est Malgus. Il cachait bien son jeu. Il voulait juste vous tester. S'il voulait vraiment vous tuer, il l'aurait fait. Bon, allons-y. On a d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Dark Vovraun, ça fait un bail. Voir, c'est la même voix. Le narrateur dans Dragon Ball Z. Non, je pense pas que ce soit la même voix. Je crois que sa voix a changé. Pourquoi ils lui ont pas donné la voix du narrateur dans Dragon Ball Z, là? La nouvelle voix. Séduire, ravi de vous voir! Un vieillard comme ça? La sécurité est ridicule, je crois que ça cache quelque chose. Je ne suis pas sûr que c'était un assassin. Il a juste voulu nous montrer qu'il existait. Vraiment? Je vais ordonner à mes hommes de traquer votre agresseur. J'ai compris, vous en faites pas. Faisons le point sur ce que nous avons, planifié, le carburant, voyage. Voyage, la flotte. Donc les empêcher de se ravitailler. Malheureusement, cela ne suffira pas à notre impératrice. Elle n'est pas d'accord avec ça. Ne parvient pas à se... Elle veut tout détruire. Pas assez de vaisseaux pour empêcher cela. Et nous devons ensuite arrêter la flotte entière, attaqueront, ravitaillement. Il se trouve que l'arme parfaite se trouve dans ce rocher. À l'origine, suffit, mec chat, les huttes. Ils ont donc installé un dispositif. Nous pourrions même booster l'impulsion. Impressionnant, Major. Parfait. Un peu trop compliqué pour moi, mais je vous fais confiance. La décision de vendre du carburant ou pas, là, vous devez les persuader. 5 bananes. Hotbreaker organise des festivités. Ne vous en faites pas. Comment arrivez-vous à voir avec votre masque? Je vois avec la force. Et vous, qu'est-ce que vous ferez pendant ce temps-là, que vous tournerez les pouces? Menace, urgence quelconque, la flotte, bonne chance. Rencontrer Ilovis? Pourquoi? C'est elle qui est au courant de tout. Bon, attendez, je vais virer Jakarta, et je vais prendre Pluto et Mickey. Je vais prendre Jessa. Au moins, elle, je saurai quand elle attaque. Maîtresse! Je suis en manque d'action. Ça fait plaisir, hein, franchement, de la voir. La zone rouge! Oldanar, Valley Royal, bien joué, merci. Espèce de fourbe hypocrite! Nous joindrons à l'attaque. J'ai dit. Ainsi ai-je parlé. Comment ça, rencontrer Ilovis? Elle est où? Faut aller au taxi. Allez, c'est parti! Nous sommes une planète communiste, faut pas exagérer non plus. Travail, famille, c'est parti. Mais il y a d'autres frères, là. C'est une famille très nombreuse.
C'est où le chemin? C'est par là, là? Faut aller à la station de taxi, hein, Jackie. Mec-cha! C'est parti, on y va. S'ils veulent. J'ai pas tout compris, hein, une fois de plus, à ce qu'on fait ici. Mais c'est très étrange, hein. Ce fonctionnement, au moins, c'est du nouveau contenu, hein. Mais pour l'instant, je trouve ça un petit peu à chier, hein, pour tout vous avouer. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas compris, mais... on passe d'un truc de méga envergure... De Eternal Throne et Fallen Empire à ça. Il y a un truc que j'ai pas compris, hein. Ah, putain, comment ça, pas de monture, bordel de chiottes. Ah, t'es con... On se croirait sur Narshada, hein, t'as vu? Avec des arbres holographiques, etc. Nous attendons à l'intérieur. On a quelque chose dont il faudrait vous parler. Et elle est où, Torche, pendant tout ce temps, là? Dark Talon. J'ai une aiguille dans mon talon. Bonjour, vous vous souvenez de nous, commandant? Ça fait plaisir de vous voir ici, chef. La nana bien. Dit que vous veniez ici, alors nous sommes ici pour vous donner un coup de main. Splendide, mes fidèles alliés. Mais où est Vette, bordel? Vous saurez comment les pousser à voter dans votre sens. C'est-à-dire? Vous devriez vous en charger tout à dès la bienvenue, je ne veux pas me jouer d'eux. Toutes les informations sont... Nous allons pigeonner ces... Nous allons plumer ces pigeons. Après tout ce qu'on a vécu, commandant, c'est normal. Nous sommes les spécialistes de la filouterie. Très bien. D'abord, ils sont en train de regarder un film. Des révolutionnaires, libératrice et reine. Ok, c'est la première fois qu'on voit une fille comme ça, là. Les quais principaux. Ce sera facile de la convaincre. Vendre ce carburant lui rapportera une petite... On va lui apporter un gâteau aux cerises. Vous garantissez le maintien de l'ordre. Si vous vous frottez... Mais elle est encore chauve, c'est ridicule. Hudbreaker mettra un terme à l'arrangement. Là, on la voit, là, dans la cinématique. Protéger Mec-cha et sa priorité. Très bien. C'est son point faible. Jot, ancien soldat de la... Jot n'a pas vraiment de gang. Juste des ok, j'ai pas vu à quoi il ressemble. Pour que la... Pourquoi s'embêter avec les autres? Hudbreaker Qu'est-ce que c'est que ça le... D'abord, il y a Vic le sournois. Mendoxé Vic le sournois. Un rodien. Une des plus grandes organisations de la galaxie. Vic est un homme d'affaires. D'accord, obtenir, on va lui payer cher. Dharma, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Les escrocs décident du destin de la galaxie. On a besoin du vote que de l'un d'entre eux. Vic ou Indigo, c'est facile. Merci. Je m'en souviendrai, merci à vous. Hudbreaker s'apprête à prononcer son discours de bienvenue. Trouvons une bonne... Mec-cha ! Bonjour ! Ça va, ce soir ? Mes frères, mes sœurs. Regardez, ce sont des vraies pourritures. Nous transformons il y a à peine quelques années. Les esclaves, vous voilà. Continuons à avancer. Félicitations! Quel discours inspirant! Oh là, elle vole. Elle se téléporte. Nous les aurons au moment où ils s'y attendront le moins. T'as vu? Oh, des Mandaloriens. Tout le monde est là. On se demande pourquoi. J'ai pas compris grand-chose. Je n'ai pas compris grand-chose, mais oui, je suppose. Vous avez du talent pour hypnotiser les foules, nous sommes toujours de la partie. C'était d'une naïveté confondante. Je comprends comment vous avez pu inciter les autres à se rebeller contre les Huts. Les Huts sont une menace. Et des gangsters. Le feu aux poudres, santé... Les amis citent, donner la parole. Oh putain, elle est balèze, elle. Commandant? Oui, bah c'est moi. Chevalier Jedi, regard noir. Foutez le camp, Jedi. Vous savez, je crois que je ne connais pas bien les Jedi. Je les ai mal jugés. Surveillez votre dos, Sith. On ne pourrait jamais savoir ce qu'il y a derrière vous. On est anormalement poli, t'as vu? Je sais que vous avez aidé Malgus sur Osus. Vous avez choisi le mauvais camp. Oups. Et vous
Eh bien, c'est-à-dire que, loyaliste, l'Empire vaincra. Je choisis la paix, je me ferai un plaisir de vous tuer. La République ne vaincra jamais. Même vous, vous devriez le savoir, c'est vous qui êtes dans le mauvais camp, pas moi. C'est une autre marionnette de l'Empire. Maître Jedi ? Et vous, vous êtes une marionnette de la République. C'est pas différent. Ok. Bah, non. Rencontrer Junker, Indigo et Vic le Purtif ? Je suis pas venu là pour me faire des amis. C'est quoi, je vais mettre Jessa à poil. Je vais lui virer ce truc là. Bon, ça. Voilà. Elle était pas comme ça quand au début. Non, je pense pas. Faudrait que je regarde ça. Son ancien look, ses anciens vêtements. Conteneur d'équipement premium, bas d'armure, niveau 54 requis. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ouais, pas mal. Des bottes. Et des ouzo. Ouais, c'est pas mal, je suppose. On a un pantalon violet. Bon, allez, on y va. Profitez-en, Jedi. Je ne peux pas foutre le bordel ici, mais ça va chier. Dès qu'on sera seul à seul, un accident est si vite arrivé, vous savez. Alors pourquoi il me dit d'aller ici, là? Ah, Jessa. Ah, je la préfère comme ça, tu sais quoi. Parce que sinon, elle est chauve, c'est un petit peu débile. Bon, qu'est-ce qu'il veut, Indigo, là? J'espère qu'on va pas tout fucked up. Quoi, pas tout foutre en l'air. Je vous connais, vous. Torche m'a beaucoup parlé de vous. Venons-en au fait. Je vous retourne la faveur. Je cherche de l'aide, ça vous intéresse. Un ascenseur, ça peut se renvoyer. Les Darmanda. Vous vous trompez. Tout va bien pour nous sur Mekcha. Se battre et mourir pour votre guéguerre. Taisez-vous et écoutez, j'ai une autre idée en tête. Je suis ici pour vous demander de nous aider avec nos opérations sur Mekcha. Vous n'aurez pas à vous battre. C'est une opération... Ça dépendra des détails. Une opération sans risque. Écoutez, vous n'aurez pas à risquer votre vie. Retrouvez-moi tout à l'heure dans la cantina et nous verrons. Allons-y. C'est trop risqué ici. Ok, bah écoute, il a pas l'air très difficile à convaincre. Il faut obtenir les faveurs que de un seul sur deux. Hein. Et lui, il m'a l'air plus fiable que l'autre rodien de merde. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a trois personnes qu'on doit rencontrer. Il me semblait qu'il y en avait que deux. C'est bizarre, ça. La cantina, c'est où? Rencontrer Junker. De toute façon, il faut que je fasse ces deux trucs-là, là. Attendez, il y a un truc bizarre là, c'est quoi ça? C'est la tête de Goldorak! Pourquoi? Bon, lui, c'était celui que j'avais zappé trop vite tout à l'heure là. Vous! Votre tête me dit quelque chose. J'ai rien à dire à des impérialistes. Pourquoi tant d'animosité? Vous avez un sacré culot. Pourquoi tant d'animosité? Ne pourrait-on pas discuter? Je suis juste là pour discuter. Non, j'ai pas vu mes amis mourir dans le froid de l'espace pour discuter. Vous soyez l'un ou l'autre. Il me faut un autre verre. Bon ben lui, on n'obtiendra rien de lui, faut croire. Surveillez votre langue. Elle peut être coupée très très facilement. Donc là, on va aller chercher le rodien. C'est très bizarre. Parce que là, je peux pas directement aller choper le Mandalorien, hein. Il apparaît pas sur la carte. Il n'a pas d'objectif. Très belle vue, n'est-ce pas? Enfin, quelqu'un d'intelligent. Alors, de ce que je vois, j'ai l'impression que sur les trois, c'est classique hein, en même temps, t'en as un qui est ennemi, celui qu'on vient de voir là, t'en as un qui est... ami, lui, et t'as l'autre qui est neutre, qui peut être soit l'un, soit l'autre, le Mandalorien, apparemment. Ça dépend.
contacter vos amis. De toute façon que mes amis me traitent, que voulez-vous commandant? Fournis quelques objets de valeur, besoin d'autre chose, ravitaillement. Pourquoi pas? Ravitaillement, l'échange, les miens, préfériez, ça n'avrait. Je suis tout oui, ouvert à un arrangement. À quoi pensez-vous? Pas grand chose! Territoire d'Arildo, près du district, le marché, plus tard, profitons de la soirée. Bah écoute, apparemment, on a réussi à en convaincre deux, là. Trouver Dark Char. Ouais, c'est bien, mais J'ai posé un lapin aux deux, là. C'est quoi ces conneries? Un vrai fourbe. Faut aller le donner mon compte-rendu, là. Apparemment, j'ai réussi à en convaincre 2 sur 3, c'est ça? Mais l'autre, on pouvait rien faire. Hein. L'autre trou du cul... Alors, comment ça s'est passé, commandant? C'est ça qu'il fallait faire? J'ai un peu... C'est un peu bizarre, là. Qu'est-ce que vous regardez? La connaissance de tous les éléments menait notre plan à bien? Bah, je suppose, hein. Instructif, trop débrouillé, débraillé. Séduire, ça vous va bien. Pourquoi ce déguisement des Lames Nova? On s'en fout, Major. Le plus important, c'est que ça fasse le taf. L'échange, elle devrait se répandre. Voter de ravitaillement, mon maître. Nous savons tous. Le territoire des frères. Ah! On peut parler soit Indigo, soit Vic. Ah ouais? Ok. Et c'est qui le mieux? Ouais, c'est ça. Hein. T'en as un qui est ici. Attends. Le taxi! Taxi 3. Tu peux voir? Ouais, c'est ça, t'en as un. Ouais, c'est bien, mais c'est... Qui est qui, là? C'est où, Putain, mais... Faut que j'aille aux 3 pointes. Ouais, c'est là. Alors, on y va. Oh, quoi? Ah, fait chier! Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Il faut d'abord aller ici, et ensuite, on chie avec leur... ne dessert pas cet endroit, cette destination. Destination finale. C'est quand tu veux, Jackie. La jetée de la dernière chance. Ouah, faut aller à pied jusque là, là. Putain, mais il pète les couilles avec ça. Est-ce que je peux me TP? Escale des Impériaux et la zone rouge. Ouais, ben voilà. Je vais me TP, là. J'aurais dû faire ça directement. Heureusement, hein, parce que là, c'est relou, ce système. C'est un peu pourri, quand même. Là, normalement, je devrais pouvoir me TP... à l'autre... avoir accès à l'autre désertion, entre guillemets. Ça, là. Voilà, t'as vu? C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, le problème, c'est qui est qui? La cantina et les 3 points. Donc, la cantina, normalement, c'est le Mandalorien. Moi, j'ai plus envie de m'orienter vers lui. Je sais pas. L'autre, il a demandé un service. Et l'autre, tout reste à faire. Hein. Il est pas convaincu encore, hein, s'il faut. La force! Alors, s'ils veulent. Je sais pas trop, hein, ce qui serait le mieux. La cantina! Trop d'oreilles curieuses ici.
Ça va pas du tout. Oula. Une fille géante. Du pole dance. Mais putain! Il est où là? Comment on y va? Faut aller en haut? Là peut-être? Voilà, bien joué. Vous êtes fait attendre. Bexad. Indira. Tiens donc, vous voilà. Je préfère faire. Je pensais que on dirait vraiment il n'y a pas de code vestimentaire. Vile de Mega Man X. Est-ce une menace? Reprenons là où nous parlons affaires. Ça ne m'intéresse pas ces idiots aussi. Que voulez-vous de moi au juste? Je veux que vous votiez en faveur de la vente du carburant. Vente du carburant à la République? Vous voulez? Pourquoi? Je ne sais pas à quoi vous jouez. Puisque c'est ce que vous voulez, c'est parti. Mais je croyais que c'était vos ennemis. Rendez-moi un petit service. Ah putain, lui aussi un service, la fait chier là. Et lui c'est seulement je verrai. Et si je vous forçais la main plutôt? Vous connaissez ce petit rodien sournois de... Oui, ben oui, c'était l'autre à qui je devais... Il fait grimper les prix pour moi. Et ça a assez duré. Je fais déjà assez peu de... C'est malhonnête. Cet arnaqueur. Je sais qui lui succédera. Donc, voilà... Il faut le tuer. Oh ben d'accord, ok. Ah ouais, quand même, carrément. On prend des risques, hein, en faisant ça. Vous pouvez compter sur moi. Vic est un homme mort, je vais vous prouver ma bonne foi. Vous m'enlevez une sacrée épine du pied. Vous en faites pas. Mais tu vois, ce qui est con, c'est que j'ai pas pu faire... Tu vois, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit non, soit oui. Côté clair, côté obscur. C'est dommage, j'y avais pas. Laissez-moi y réfléchir. Pour nous permettre d'aller voir Vic. Bon, après, on aurait pu tout lui révéler, mais... Je suis affalé. Ça, c'est la belle vie. Bon ben Vic va le payer cher. Il avait qu'à être mieux... Il avait qu'à... parler français au lieu de parler rhodien. Ça lui apprendra. Eh ben c'est où le taxi là? C'est en dessous? Bouah! Et putain mais ça pète les couilles. Bon alors attendez. Je vais essayer de faire autrement. Si je fais... Où est-ce que je suis, là? Je suis là? Complexe de Hutbreaker? Porte de l'Utah tombe. On est dans l'Utah. Ah non, on est là. D'accord, ok. C'est quoi? Je vais me TP. Comme ça, je serai directement à côté des taxis. Je sais pas où je suis parti, là, mais c'est... C'est abusé. T'as vu que depuis pas mal de temps, là, il n'y a pas vraiment... C'est pas des combats non-stop, hein, t'as vu. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de combat. On fait que discuter, etc. Ok, faut aller là. Bah, c'est là où il y avait Vich, normalement. Vich est un homme mort, croyez-moi. Il va le payer. Saleté de Rodien. J'ai plus travaillé avec des Mandaloriens qu'avec des Rodiens. Voilà pourquoi j'ai choisi lui. Vous avez découvert le bazar du grenier. Allez, on y va. Je sais pas comment ça va se... Et est-ce que lui, il m'aurait demandé de tuer lui, là? Est-ce que Vic m'aurait demandé de tuer Indigo? Je sais pas. Oscar Wilde. C'est un peu étrange, hein, franchement. Eh ben, c'est pas ici. J'ai pas l'impression que ce soit là. Putain, y a du monde ici. Ah, je vais tomber dans le trou. Putain, mais on y est presque, là. Y a pas de raison. Territoire 2. Est-ce que c'est en dessous?
Attendez, on est d'accord qu'il n'y a que dalle, là. C'est dommage, on y est presque, là, il n'y a pas de raison. T'es sûr que c'est pas ici? Ah ben, là, il y a un rhodien, là. Ouais. Allez, au point d'embuscade. Faut voir ce qu'ils disent de beau, là. Est-ce que vous a remis à blablabla, faire croire, lui a fait signe, servez-vous-en pour attirer vie que dans un traquenard. Bon, alors, attendez, on va faire un truc. Je vais me mettre comme ça. Je vais aller dans I, objet. Ah ben, il y est pas, là. C'est pas ici. J'ai pas d'objet dans mon inventaire. Le thème d'Harry Potter. Ah, mais c'est pas possible, c'est où? Ils se foutent de la gueule du monde, là, bordel. Et là, on peut pas. T'es sûr que c'est pas ici? C'est costaud, hein. Un message. Bon, je peux essayer d'aller par là. Le gang disputé. L'échange. Bon, allez, je vais essayer de courir. Vous avez découvert le territoire des gangs, les trois points. J'ai pas aggro, je sais pas comment j'ai fait. Là, regarde. C'est... Ouais, c'est ça, c'est là. Ok. Je suis entré, là, y a pas de raison. Putain, mais ils arrêtent pas de me faire tomber, là. Attendez, je vais essayer un truc. Prends sa saloperie. Ah, putain! Je fais que de la merde, là. Ah, boutane! Attention de pas aggro les autres trous du cul. Prends ça. J'essaie de les attirer. Prends ça. Putain, mais c'est pas possible, on fait que de la merde, là. Mais les ennemis disparaissent sous le sol aussi, c'est complètement bugué, putain de chiotte, là, on va crever. L'autre connard, là, j'arrivais plus à le target, il avait disparu. Complètement pourri, bordel de merde, là. J'ai utilisé tous mes cooldowns et... Bon, c'est pas grave, on va pouvoir rentrer maintenant. J'ai pas réussi à les tuer, là, ces connards. C'est incroyable. C'est complètement nul à chier quand même. Bon bah écoutez, on va se laisser là. Ça fait 58 minutes. Parce que si je rentre là, j'ai peur que il se passe des trucs qui durent 3 plombes et qu'on... Et que ça dure trop longtemps. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus !